Salut Monsieur, ouais, voici Captain Fleur, depuis que nous sommes dans nos championnats, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 1. Par contre, j'aimerais m'expliquer sur quelque chose. La vidéo que vous voyez en ce moment a été tournée après les deux prochaines vidéos. Ouais, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'explique. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé cette vidéo, je suis rendu plus loin. Là, j'ai fait du ménage dans mes affaires pour faire pour libérer de l'espoir, mais pour se débarrasser de ce que j'ai déjà fait. Et j'ai renommé pour être mieux organisé. Mais le problème, c'est que en faisant ça, le petit ménage, disons que j'ai effacé cette vidéo. Et il me semble d'avoir fait, je me sais pas d'avoir fait le montage, il me semble de l'avoir fait le montage, mais on dirait pas que j'ai fait le montage. Alors, j'ai dû recommencer cette vidéo et c'était long là. Je vous dis là, ça a été long. Si vous ne croyez pas là, que ça a été long là, j'ai recommencé une nouvelle partie, puis je me suis rendu jusqu'à là, mais là j'ai dépasser ceci. Qu'est-ce que vous pensez que j'aurais dû faire? J'ai enregistré à la forêt obscure. J'ai dû recommencer de là pour pouvoir revenir ici. Mais en même temps, j'ai fait d'autres choses avec cette série-là que je fais. Que j'ai fait la même affaire avec Ni no Kuni 2. Donc, j'ai jamais dit d'ailleurs. C'est quoi? Je fais la même affaire avec cette série-là, mais j'ai dû recommencer 2-3 fois. Ah, littéralement, là. Sans exagérer ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, les deux prochaines vidéos sont tournées avant celle-ci. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Bien sûr, c'est redonner l'enthousiasme au roi chat. Puis lui, il est parti dans les... voir les souris. Il s'est fait kidnapper. Ça aurait de l'air. C'est ce que j'en pense, ou moins. Est-ce que se sont fait kidnapper par les souris? Donc, il fallait à Caramba. Je me souviens très bien avoir fait cette vidéo-là. L'avoir tourné, je sais que je l'ai faite. Ouf, j'ai oublié de lire. Je peux vous mettre sur pause. Dans le pire des cas. Bon, crustage. Si simple que ça, il s'est ouvert. On peut aller chercher le roi maintenant. Pour sûr. Hey, j'ai même pas rien fait. Ça c'est plate. Je veux pas que je le lis probablement. Tiens. Bon, ça c'est pas des affaires importantes. Nom d'une fée, c'est une bête comme tout. Là en bas. Ma lanterne va finir tout moisi si je fais pas attention. Normal que c'est humide et c'est plein d'eau. Pis c'est des égouts. Normal. Rendu là. Elle pourrait vraiment moisir? Oh! Abri calabrouille. Ça sent la joyeuse troupe de bestioles à plein nez. Attention. J'ai pas compris qu'ils disent n'importe quoi. Ils sont là dans l'ignorance. C'est que ça veut dire. Il va falloir faire attention à toi. À partir de maintenant, les choses pourraient être difficiles. Attendez, monsieur le ministre, c'est promis. Et voilà le premier combat. Attention, il y a un monstre qui vient vers toi. Bon, on lui règle son compte, vite fait. Et on va chercher le roi. Sachez que pour être honnête, j'ai
littéralement perdu ce combo, premier combo, c'est recommencé. Là, je me suis pratiqué pas mal. Je pense que je serais pas payé. Mais n'oublie pas que nous avons le nouveau familier que le petit t'a donné. Les combats devraient être plus faciles avec ces deux petits. Pas nécessairement. Donc, faut aller avec une bonne stratégie. Réagir, ça c'est plate ça par contre, qu'on n'ait pas le temps de réagir. Et c'est fini, là. C'est facile, surtout quand que... Comment dire? C'est particulier. Là-bas. Mais là pour l'instant, on va se laisser, puis on va se rejoindre quand on sera rendu. Quand on a retrouvé le roi. Alors pour ça, à cette heure. C'est moi arrivé dans un endroit intéressant. Oui. Pour aller de l'autre côté, il est simple. Il faut lui mettre ses fanales. Ça doit valoir le coup de ce. C'est que ça prend des PM. Bon, je vais attendre que ça se finisse. C'est dommage. Je pense trop là. Non. Je pense que c'est correct finalement. Oui. C'est pas évident. Je vais être avec vous, ce n'est pas évident. Chacun à leur tour. C'était. Ah non. C'est allumé. Je suis pas arrivé, mais c'était une des étapes que je passe. Alors, je vous laisse à nouveau. Bon, nous sommes arrivés à une place. Où que dans Ni no Kuni 2, c'est je ne sais trop combien de temps avant de. De savoir. Que c'est plus facile. Je vais vous demander pourquoi je passe la grenouille en premier, parce que lorsque elle fait son attaque spéciale, la grenouille fait plus mal que celui-là, lui. Il fait 5, en tout cas, il fait un peu plus de la moitié. Côté des dégâts. 4, 5. Comme que je disais.
Parce que l'autre, il vole jusqu'à 12. Facile. Ou 3 à 4 fois plus. Là, vous voyez la fenêtre. Faut pas aller à ce fenêtre là. C'est fou comment c'est bien. C'est quand même pas détruit. Il n'y avait pas de salle. Ça veut dire que cette salle là a été ajoutée. Ah. Non, il n'y avait pas de salle à voir. Non, ici. Puis nous avons un fanal ici. Anukuni 2, il fallait commencer par lui. Faire l'inverse. Mais dans celui-là. Contrairement à ce qu'on propose, il faut commencer par lui. Pêché, c'est sûr. Au moins, il laisse un plus gros délai. Au moins. Sans sorcerie jamais. Comment que je suis toujours différent. Pour sélectionner, je peux absolument pas choisir de faire entrer. Entrer. Et voilà, c'est simple que ça. C'est plus simple ce. C'est plus simple la compense de là que l'autre. Bon, est-ce que on se laisse ou non? Ben oui, on se laisse à tout à l'heure. Pas qu'à ce combat, bien sûr. Efficace, on peut poser le contrat. Bien maîtrisé, c'est plutôt efficace, t'as fait le singe. Oh, je vous laisse. Je ne sauvegarde pas, au cas où que j'ai un problème technique, puisque je vais recommencer. Et le roi chat est là. Two. Look, one has retrieved one's wand. Huh? So he wasn't kidnapped? Oh, the crook struck one. Oh. That'll teach you to turn your back on me, you old tomfool, you! That is one huge rodent! You squeaklings work for the fat cat, do you? No, we are... Too slow! Thank you.
C'est Obama qui a fait le coup. Mais pas évident. Ça, je peux vous garantir, ça n'a pas été évident. Je vous verrai la prochaine fois. Ah, je pensais que c'était toi, Laura. Dans une lanterne, il s'est enfui. Il y a encore réussi à passer une réplique ridicule avant. On s'en fout, monsieur Lumi et le roi Sacha. T'as raison. On ferait bien de voir comment il va. Votre miaou gesté, vous allez bien? Oh, c'est vous. Eh, face de roi. C'est ce qui est sérieux. On s'est ressaisi. Notre baguette, nous l'avons reprise au coquin qui nous l'avait volé. Miaou. Votre miaou gesté. Oh, oh non. Votre miaou gesté. Votre miaou gesté. The Zodiacs are assembled, your radiance. I thank you all for attending. Very well. I hereby call the council to order. You are all doubtless aware of the purpose of this session. We are here to discuss the elimination of the pure-hearted one. Come before us, Dark Jinn. You summoned me, White Witch. The so-called savior from the other world. He must be destroyed. Shaddaa. It is time that you proved yourself worthy of the title of Executor. On one condition. Ha! The insolence! He presumes to bargain with our queen? Go on. Very well. I must request that you entrust this task to me and me alone. Hear me, members of the council. I have no need of your aid.
He thinks himself our equal. What gives him the right? He is either very brave or... To presume to give us orders? Babbling fools. Silence! Very well. You will have your wish, Shaddaa. I entrust the task entirely to you. Teach those who speak of a savior the futility of their hope. It shall be done. This Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness of despair. Nous vous remercions encore mille fois. Vous nous avez sauvé la vie. On dirait que vous vous sentez mieux maintenant à votre miaouzesté, non? Mais vous n'avez pas été kidnappé en fin de compte. C'est drôle, mon raisonnement n'était pas parfait. Tu ne crois pas que je prends la main, hein? Oui. Je suis juste content que le roi soit sauf. C'est le plus important, n'est-ce pas, votre miaouzesté? Oh! Peu importe tout cela. Nous sommes totalement verts de nous être fait avoir par ce quelqu'un de raboté. Tout cela parce qu'à cause de notre perte d'enthousiasme, nous nous sommes fait surprendre en plein ronflet. Dire qu'il a réussi à dérober notre plus grand trésor, miaou, c'est impardonnable. Mais la baguette est de nouveau entre notre possession. Désormais, c'est l'essentiel. Nous pouvons enfin vous en faire cadeau. Merci, votre miaouzesté. Apportez notre baguette. This is one's magic wand. When one was a kitten, one ran quite wild with the old thing. Here, it is yours now. Thank you very much, your meowjesty. If you know who finds out about this, one fears we shall both live to regret it. But one can hardly say no to one so very pure. When you say you know who, you mean Shaddaa, don't you? There's no need to say it out loud, is there? But yes, that is who one will. Your meowjesty. You've gone and given him the wand. Now there's no going back. One supposes so. Don't worry, your meowjesty. I'll bring down Shaddaa. You'll see. Pour nous avoir aidé dans un moment de détresse, nous voulons aussi vous offrir un peu de magie. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Ça alors, merci encore votre meowjesty. J'ai hâte d'essayer tous ces nouveaux sorts. Je vais devenir le meilleur magicien de tous les temps. Non, vraiment, nous avons hâte. Dans ce cas, il y a au sud de notre royaume une forêt nommée le Bois Bolé. Au-delà, s'étend un vaste désert. En plein centre de ce désert se trouve la ville d'Almameu. Ce doit être votre prochaine destination. Les personnes qui gouvernent est un peu... Mais peu importe. Rashad, l'un des quatre grands sages, y vivait autrefois. Et s'y trouve toujours, nous présumons. Les grands sages, vous voulez dire, les puissants magiciens dont Rotan était l'une des représentantes. Roxane? Si tu cherches à étendre tes connaissances magiques, nous sommes sûrs que les sages représenteront une aide inestimable. Vraiment, merci votre miaouzesté. Entendu, alors on doit traverser le désert pour trouver un grand sage, c'est ça? Almameu, nous voici. Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, c'est que moi je vais vous laisser. Je vais apparaître quand ça va être le temps. Je sais pas moi. Lorsque ce sera important. On se retrouve dans la forêt. Et au début, entre temps, dans la forêt,
ainsi que après à la fin de la forêt. Parce que on va se quitter après la forêt, puis oui, nous avons un gardien à affronter. Je l'ai déjà fait pour ça. Ah, pour ça, je vais aussi à tout ça. Ça va vraiment commencer. Tu as même une baguette digne de ce nom, tout et tout. Je parie que tu es impatient, hein? Ok, oui. Allons-y! À ça là. Tu es plus vite que prévu. Nous y sommes, le Bobolet, une petite balade à travers cette forêt, et nous serons de l'autre côté, dans le désert, en un rien de temps. Mais regarde ces champignons géants, tout est si différent de vos obscurs ici. T'as pas tort, c'est vraiment un type de forêt très différent, avec tout le respect que je dois à notre feuillu. Le sol ici est tout simplement meilleur. Très fertile pour ceux. Les arbres sont chargés de fruits et de noix toute l'année. C'est pour ça qu'ils appellent l'endroit la forêt de Bombance. Tu vois? La forêt de Bombance? Ah, la dernière fois que je suis venu ici remonte à longtemps. Si c'est pas de la... L'endroit est plein de fées. Tu veux que je les appelle? Oui, s'il te plaît, monsieur Lumi. Eh oh! Y'a quelqu'un? C'est moi, Lumi! Il n'y a personne, on dirait. Quoi? Pas de comité d'accueil pour le grand monarque? Seigneur garde du peuple de fées? Il se passe quelque chose de très bizarre. Pas de fées en ville. Et aucune dans la forêt non plus. Qu'est-ce qui leur est arrivé à tous? On devrait peut-être aller plus loin dans la forêt. Il y en aura peut-être plus là-bas. Puisqu'on va par là de toute façon, traversons la forêt pour rejoindre Almameux. Et voyageons ce que ça donne, tu veux bien. D'accord, j'espère vraiment qu'on pourra croiser quelqu'un de tes amis fées, monsieur Lumi. Ça là. Ces champignons géants bloquent le passage, monsieur Lumi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? On saute dessus? Hein? Mais ils ne vont pas briser? Mais non, il faudra plus que le passage d'un petit garçon comme toi pour venir à bout de ces formidables champignons. Ça va bien se passer. J'espère vraiment on n'a pas trop le choix de toute façon. Voilà où il fallait aller. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf de famille. Un œuf de famille? Mais tu ne m'as pas dit que les familles venaient déjà. Bien sûr que si. Mais ils ne viennent pas que de là. Les familles peuvent naître partout où il y a de ce qu'on appelle force vitale, en abondance, tu vois. Le ciel, la mer, la forêt, les champs, peu importe le lieu, mon petit Oli, dès qu'il y a assez de force vitale accumulée, ils jaillissent. En réalité, ils peuvent même naître dans des objets si on s'en sert et qu'on les anime assez fort. Je sais, c'est surprenant, non? Ça a l'air drôlement puissant, la force vitale. Alors cette œuvre doit provenir de la force vitale qui s'accumule ici dans la forêt, c'est ça? Si c'est pas de
La force vitale est une énergie puissante et mystérieuse qui a de quoi émerveiller. Mais les résultats ne sont pas toujours aussi magiques que parfois, ou de sympathiques familiers, ce sont des bestioles méchantes et sauvages qui naissent. Tu parles de créatures qui nous attaquent sans arrêt? Celle-là même, elle est la seule façon de leur apprendre à ne pas attaquer toutes les gens qu'elles croient, c'est de ne pas le laisser faire. Prends pas cet air inquiet, on ne les tue pas, les pauvres brouilles. On les envoie juste dans un endroit où elles ne peuvent plus nous embêter pendant un moment. D'accord. Je me demande quelle sorte de créature sortirait de cet œuf. J'ai hâte de le voir éclore. Tu risques d'attendre encore un moment. Regarde un peu tous les morceaux d'arbres qui l'entourent. Ils sont tous friteries. On dirait que la force vitale de la forêt s'est fait rare. Ça doit être pour ça que toutes les fées ont pris la poudre d'escampette. Désolé, mais les choses restent en l'état. Cet œuf n'est pas prêt d'éclore. Oh non, c'est vraiment triste. On doit pouvoir faire quelque chose, monsieur Lumi. Tu as raison et tu as justement ce qu'il faut. Il faut que tu fasses un dessin. Tout ce que tu as à faire, c'est lancer un sort capable de rendre vie aux éléments fétris, leur rendre leur splendeur passée, si tu vois ce que je veux dire. Cuivre de jouvence. Évidemment, monsieur Lumi, voyons, un sort capable de ramener les branches frichetées à leur état d'origine. Bien sûr. Cure de jouvence. Trompé. Regarde, les clos admirent le miracle d'une nouvelle vie. Il faut qu'on fasse quelque chose pour aider? Non. Ah, les clos, on a réussi, monsieur Lumi. Ah, si c'est pas magnifique, ça rien de tel qu'une éclosion réussie pour me mettre Arrête, ça s'attouille! Je crois qu'il t'aime bien. Il est mignon. Oh, petit. On doit partir maintenant, profite de ta vie dans la forêt, d'accord? Quoi, tu ne l'emmènes pas avec nous? Il vient juste d'éclore, monsieur Lumi. Je ne peux pas l'emmener avec nous, c'est trop dangereux. Tu marques un point là. Entendu. Très bien, Mimi. Prends soin de toi, d'accord? Oh, ouais. Au revoir et sois prudent. Eh bien, regarde qui voilà. C'est les Mimini de tout à l'heure. Comment va le genou? Il nous a suivis? André qui veut qu'on le suive maintenant. Tu crois qu'il y a quelque chose à nous montrer? Je me demande bien, il y a peut-être trouvé quelqu'un de mes comparses fériques. En parlant des fées, ils ressemblent beaucoup plus aux fées telles que je les imaginais que toi, monsieur Lumi. Ça, c'est de l'âge. Ah oui, vraiment? Comme quoi, ça prouve que tu connais rien, hein? Quelle effrontée. Non, mais il n'y a pas tort. Et ça me dit quelque chose. Bien sûr.
c'est une page de l'homme. Ici, quand tu trouves quelque chose, tu le gardes. C'est la loi de la jungle, hein? De la forêt, peu importe, prends-la. Croissance rapide. Merci de nous avoir montré le chemin. Qu'est-ce que ça? Ils disent qu'ils pensent pouvoir être utiles. Oui. Veux-tu nous accompagner dans notre voyage? Mais c'est juste un enfant, c'est trop dangereux. Ah, il manque pas de cul. Regarde qui parle. Qui dit, il veut dire que t'es qu'un enfant toi aussi et il n'a pas tort. Il a vraiment dit ça, mais du calme, les créatures comme lui sont nés pour être des familiers. Et ce que font les familiers, c'est voyager avec des messieurs comme toi, non? Sans doute, d'accord, tu peux venir avec nous. Tu ferais bien de donner un nom à ce petit. Dans ce cas, ça scellera votre accord un peu. Comme si tu devenais officiellement son maître. Fumi. On va aller Fumi. Je ne m'en souviens plus de son vrai nom. J'ai mis. De toute façon, dans la prochaine... Dans 3 vidéos, je vais revenir avec son nom. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Fumi. Ça te fait 3 familles maintenant, c'est ça? En regardant au moins ça, celui-ci peut éviter les attaques et tout. C'est une sorte de talent? Ouais, on peut dire ça. C'est un peu comme la défense, sauf que ça ne subit aucun dégât. C'est que ça doit se faire très vite, alors il ne faut pas se rater et réagir au bon moment. Actuel, il faut pas éviter. Tu deviens assez doué pour la bagarre, hein? En fait, tant qu'on y est, je veux peut-être t'apprendre une autre petite ruse. C'est quoi? Eh bien voilà, si tu lances une attaque au bon moment où l'ennemi t'attaque aussi, tu fais ce qu'on appelle une contre-attaque. Et si elle est réussie, ton ennemi sera tellement étourdi qu'il restera planté là et tu pourras en profiter pour le rouer de coups. C'est assez simple de repérer le moment idéal pour attaquer car la petite boule attaque en bas dans le coin. On s'en fout de ça. Ça m'a l'air un peu compliqué, mais je ferai de mon mieux, monsieur Lumi. C'est pas évident à faire. C'est plutôt ça le stuff. On est à la fin de la forêt. Et nous allons affronter le quartier. Parce que je sais que c'est un quartier de cette forêt. Regarde, monsieur Lumi, une source. Mais elle est complètement asséchée. Nom d'une fée de nom d'une fée. C'est pas beau à voir. Hein. Mais au moins on sait quel est le problème. Ah bon? Eh bien, c'est la source de vie. C'est grâce à ça qu'il y a bombance dans la forêt bombance. La raison pour laquelle les fées sont parties de l'arbre dans lequel se trouvait cet œuf de familier à friterie, c'est que cette source est tarie. Ça pour qui serait capable de faire une chose pareille, c'est méprisable. Voilà ce que je... Oh, oh. Qu'est-ce qui va pas, monsieur Lumi? Qui me dit que le coupable va faire son apparition? Vraiment? Mon confiance, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme un pays, putain, c'est quoi des choses bombes qu'il y a de l'air? Je sais même plus. Si? Ah oui. Je
Et j'ai même pas le temps de rien faire. Hey, ça c'est pas juste. Ça c'est énervant quand même quand tu es capable de rien faire. Dans le fond, après ce combat là, c'est la vidéo qui finit pas. Ça prend un peu plus de temps, je m'en fous. Moi, ça fait 2 heures que j'enregistre. Qui faisait que je m'en fous après. Mais c'est pas évident. Hey, à chaque 2 secondes, il me fait un sort. Bon, je vais procéder autrement. Ah oui, les sorts. Bon, j'entends qu'on veut pas le voir là, sur ce cinématique là. On l'a vu une fois. Je peux pas utiliser celui-là, je peux juste utiliser Olivier puis ça. Ok, boule de feu. Ça fait pas grand chose, on peut voir. Pas le choix d'aller à mesure. C'est pas que j'ai le temps. Oui! Ça m'aurait. Le contraire m'aurait bien surpris. Au moins, j'ai évité le pire. De justesse. Et des fois, il ne donne même pas la chance de me sauver. Pas le choix de fonctionner à mesure. Faut que j'analyse ses coups en même temps. Hey, il faut même pas de tonnerie. Ok, c'est quelqu'un qui fait il tournoie son épée. Ça veut dire qu'il fait la grosse attaque. Quand il tourne un peu son épée, c'est la petite attaque. D'accord. On voit de cette façon-là. Que je fasse d'autres. Avec une petite boule de feu. Pourquoi? Même ça fait pas grand-chose. Pas grave. Je peux l'éviter. Lui. Ils sont. C'est la grosse attaque. Hey, je ne peux pas rien faire. C'est la grosse attaque. Là, j'analyse vraiment pour. J'espère que vous avez compris le pourquoi que j'analyse. La petite attaque. Ça aide beaucoup. La miratique. Oui, ça fait plus de dégâts. La grosse attaque. PC confirmé. Et
je prends un risque. La grosse attaque. Ah, j'ai même plus le temps. Ah, ça fait mal. J'ai dit que je prenais un risque. J'ai pas dit que j'allais l'avoir. Je peux être assez vite. Ok, la petite attaque ou ça, c'est pas bon. J'ai la misère avec la petite attaque. D'accord. Ça, c'est ça. C'est ce que je voulais d'ailleurs. Petite attaque. Oh, je peux. Je lance. Et beaucoup plus rapide. Je s'atteint. Il prend des dégâts pour moi. Fuck shit. Pif. Ok, j'étais pas dans sa... sa mire non plus. Je pense qu'il est beaucoup plus loin. Plus de chance que là je viens de... au moins je réussis maintenant à maîtriser cette attaque là. Donner au moins pas mal de points magiques au moins. Ça je pense que ça irait pas. Pour être honnête. Okay, la petite attaque. De gel. Oh, quand même, c'est pas négligeable. Oui.
attends. Il est trop là. Pas l'épée uniquement. On va fonctionner avec les sorts, c'est la méthode la plus efficace. Quand même un mauvais pressentiment. C'est... Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il fait? Pour utiliser lui. Une deuxième chance pour utiliser lui. Fille. Oh, fin! Hey, c'était long, hein? Fallait utiliser les deux. Bon, faut utiliser des sorts, sinon ça aurait jamais fini. Ça, ça a été long. Ça, je peux vous le dire, là. On est chaud. Ouf, puis j'ai chaud en plus.
Il fait chaud aussi. Ces horribles créatures est parti. Ça n'était pas n'importe quelle créature. C'était le gardien de cette forêt-ci. Gardien? Tu faisais comme le gardien de la forêt? Exactement, c'est que je disais, la forêt vitale peut naître, faire naître des choses un peu partout. Et dans des endroits comme cette forêt, le désir des habitants de protéger leur habitat donne naissance à d'énormes créatures qui en deviennent des gardiens. Les grosses bestioles comme celles que tu as combattues à Bois Obscur et celles que nous venons d'affronter, je ne sais pas si tu as vu, mais il avait un regard bizarre. Tu crois que ça dort? Ça m'étonne pas qu'il tremble dans cette triste affaire asséchée. Une source est bien le genre de coup fou dont il serait capable. Bon, le gardien a retrouvé son état normal, mais qu'allons-nous faire pour de la source de vie? On a soigné là où se trouvait l'œuf, non? On pourrait peut-être utiliser la même sorte pour restaurer la source de vie. Si ça, c'est pas... Il dit toujours ça, hein. Faut croire qu'une partie de mon intelligence a déteint sur toi. Ah, ce qui est... Ce qui tue pas, lui. Monsieur Lumi. Attends, c'est Monsieur Lumi. J'espère que ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionnera pas, je te l'ai dit que ça fonctionnait pas. Hein, tu ne croyais pas que ça ne fonctionnait pas, vous voyez? C'est ce mirage que vous voyez, ça fonctionne pas, là. Vous voyez? Ouais, tout est revenu normal. Ah, c'est pas ça. Je l'ai dit que ça n'a pas... Vous voyez, ça n'a pas fonctionné, alors. Ça, alors, c'est à ça que ressemble la vraie source de vie. C'est tellement le plus beau. Tu l'as dit, Yoli. Et maintenant que le gardien et la source ont retrouvé leur état normal, les fées ne vont pas tarder à revenir. J'espère vraiment qu'on va voir une fée la prochaine fois qu'on viendra. Moi aussi, mon Timmy, moi aussi. Bon, allez, Almameu, nous voilà. Mais dans la prochaine aventure. Et oui, parce que c'est déjà la fin de cette aventure. Attention, mon Timmy, il doit y avoir des monstres féroces dans le coin. N'essaie pas de jouer aux durs en allant toutes les combattre. Il faut qu'on rejoigne Almameu le plus vite possible. C'est ce que je vais faire de toute façon, mais c'est juste une pointe pas la même affaire. Alors pour ça, j'espère que t'as bien aimé cette aventure, parce que moi, oui, malgré que ça a pris quasiment 2 heures... Ça fait 2h20. Shit. Beaucoup de découpage que je vais... Que vous ne verrez point. Comme dans chacune des vidéos, bien évidemment. Des affaires complètement inutiles. Oh, pas évident, hein. Ici, là, c'est pas évident. Avec mon autre partie, je suis au niveau 12. Puis j'ai fait un peu plus de combos, disons ça. Ah, pour ça, et c'est pas rejoindre mon équipage sur le navire 2, c'est plutôt toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien sur le bannier de ma chaîne YouTube. Je peux toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.